On va voir aujourd'hui les pires transformations de Poppy Playtime. Il y aura toute la famille de Poppy Playtime qui vont se transformer aujourd'hui. Des transformations que je n'ai jamais vues. Et je pense que vous aussi. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais un magicien moi? Regardez, il y a Huggy Wuggy et je vais faire sa transformation. T'es prêt Huggy Wuggy? Wouah! Vous avez vu ça les amis? Si il y a 15 000 likes sous cette vidéo, je me transformerai moi aussi. Tout au long de la vidéo, nous aurons une roue qui va nous indiquer quel personnage va se transformer. Attention. Attention, je balance la roue et c'est Huggy Wuggy. On commence par Huggy Wuggy. Ça va être Huggy Wuggy plus de la lave. J'ai hâte de voir son résultat, let's go. Ok, oh, c'est parti pour le Huggy Wuggy, attention. Waouh, attendez, quoi? C'est Huggy Wuggy ça? Mais je dirais que c'est le diable en personne, regardez-moi ses cornes. Mais c'est quoi ce délire? Regardez-moi, il a même, on dirait, un trou dans le corps. C'est trop bizarre. Mais pourquoi il est dans un trône à votre avis? Ce Huggy Wuggy là, je n'aimerais absolument pas le croiser. Il me fait flipper pour le coup. On a bien vu que Huggy Wuggy c'était le diable en personne. C'est parti pour la roue, attention, et c'est... Ah bah c'est Kissimissi, la copine de Huggy Wuggy, let's go. Bon, Kissimissi, je pense que ce sera quand même un petit peu moins pire hein. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, regardez ses mains, ses amis, on dirait carrément des couteaux en feu. Et regardez ici, elle a des espèces de cornes pointues en feu. Ah oui, quand même, elle fait flipper pour le coup, hein. La Kissimissi, elle m'a l'air beaucoup, beaucoup plus énervée que Huggy Wuggy. Après, tu vas me dire que Huggy Wuggy, il était tranquille dans son trône. Allez, le prochain personnage, j'ai hâte de voir c'est qui. Let's go, attention, 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 attention. Et c'est Mommy Longlegs. C'est Mommy Longlegs. Mon personnage préféré, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Ouh là là, Mommy Longlegs, attention. Mommy Longlegs, c'est quoi ce délire, là, Mommy Longlegs? Tu nous fais quoi, là? Elle est immense, et regardez, elle a quoi dans la main? Elle tient une énorme batte de baseball, mais elle va faire quoi avec ça? En plus, regardez, la batte de baseball est chauffée à plus de 100 degrés. Ça se voit quand même qu'elle est super bouillante, hein. Waouh, waouh, waouh. Par contre, Mommy Longlegs, je pense que parmi tous les personnages, c'est elle la plus dangereuse. Vraiment. Et j'avais pas vu ses yeux, mais c'est quoi ses yeux de démon? Mais c'est toi la femme de Huggy Wuggy, en fait. Et du coup, dans la roue, il reste seulement une personne. Attention, bah là, on troule, on troule, on troule. Et c'est... Benzo Bunny. Ok. Notre lapin préféré. Oh là là, Benzo Bunny. Alors attention, est-ce que tu vas faire peur toi? Waouh. Oula, ok. D'accord, il a l'air super bouillant aussi. Ah, ah ouais, ok. D'accord. Ça va, en vrai, Benzo Bunny, c'était pas le pire. Mais il faisait quand même flipper. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour un épisode 2, c'est important. Cette fois-ci, nous allons voir la transformation de Poppy Playtime, mais cette fois-ci en pierre. C'est parti, on tourne la roue et on commence par qui cette fois-ci? On commence par... Ah bah, Kissimissi. Ok. Les femmes d'abord, comme on dit chez nous, bien évidemment. Ok, Kissimissi, attention, son évolution. Sa transformation en tant que pierre. Oh, ça a rien à voir, les amis. Les amis, ça n'a rien à voir avec... Attendez, c'est Kissimissi, ça? Mais ça n'a rien à voir avec le feu. Ah bon? Regardez comment elle bouge et tout. Ça se voit qu'elle a du mal. Parce que sa pierre, elle est complètement cassée et tout. Et regardez-moi ses yeux. Wow. Oula, ouais, ok, d'accord. Hein. Elle est en mauvais état, la Kissimissi. Hein. Prochain personnage! Allez, tourne, 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 tourne. Mommy Longlegs! Yes! Oh là là! Bon, bah, c'est parti pour Mommy Longlegs, hein. Let's go. Ok, Mommy Longlegs, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Est-ce que tu lui fais plus flipper que Kissimissi? Attention, on va voir ça tous ensemble. Salut. Attendez, mais regardez-la, mais elle a le culot de nous faire coucou. Mais elle est complètement bizarre, vous en pensez quoi? Regardez-moi ses yeux, on dirait des yeux de zombie. Et comment elle marche et tout, oula. Oh, regardez, les amis, regardez ici, son bras il est cassé. Ah oui, ok, d'accord. Mais on dirait qu'ils sont complètement vieux. Une chose est sûre, c'est qu'elle fait plus peur que Kissimissi, hein. Déjà ça, c'est clair. Allez, on tourne la roue, et qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a... Huggy Wuggy, tiens, ouais. Ah ouais, j'ai grave envie de voir à quoi il ressemble lui. Allez, let's go. Oh yeah. Huggy, 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 Huggy. Waouh. Oh, ses bras, ils se sont complètement cassés. Waouh. Regardez ses yeux, comment ils brillent. Tout se casse. Mais non, mais Huggy Wuggy, Huggy Wuggy, me dis pas que t'es en train de devenir vieux là quand même. En tout cas, on peut dire que ta transformation en tant que pierre, elle est quand même badass hein. Elle est vraiment stylée quand même. Ah oui, ok. Waouh. Cette fois-ci, on n'aura pas Benzo, mais on aura plutôt la petite poupée Poppy. On va voir sa transformation. À quoi elle ressemble. Du coup, voilà, ceux qui la connaissent, c'est elle, la petite poupée, là, la vraie méchante du jeu. Oh, elle aussi, elle perd ses bras? Ah non, elle arrive, elle est... Ah oui, ok, d'accord. Elle a des pouvoirs pas comme les autres, hein. Clairement pas, hein. Dites-moi dans les commentaires quelle est la transformation qui vous a le plus choqué pour l'instant. Bah, pour ma part, moi, c'est Mommy Longlegs. Celle où elle se transforme en pierre, les potes, elle est incroyable, j'aime trop. On passe à la prochaine transformation, vous êtes prêts? Cette fois-ci, ça sera en glace. Bah oui, les amis, on a fait feu, pierre. Maintenant, autour de la glace. C'est parti pour faire marcher la roue. Attention.
On commence par qui? On commence par... Ah bah, Huggy Wuggy. Tiens, yes! On va voir qu'est-ce que notre très cher Huggy Wuggy a à nous réserver. Ok, c'est parti pour Huggy Wuggy. Alors attention, waouh! Ok, on a un Huggy Wuggy qui a passé, je crois, 3 jours dans le frigo. Ah oui, ok. Regardez juste comment il se retourne. Et ses yeux et tout. Et le bruit quand il marche. Ah oui, quand même. Non, 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 non. Ah, mais les amis, j'aime pas pourquoi il fait ça, là. Mais on dirait qu'il est possédé, là, le Huggy Wuggy. Mais il est fou. Il fait l'araignée ou quoi, là? Oh là là. Ah non, 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 j'aime vraiment pas en tant que glace. Ah non, 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 j'aime pas. Prochain caractère. Ok, attention, attention, attention. Ok, Mommy Long Legs, let's go. J'espère que la Mommy Long Legs, elle a du lourd, hein, parce que le Huggy Wuggy, c'est un peu bizarre. Ok, Mommy Long Legs. Alors, oula. Ah oui, ok, d'accord, elle est vraiment mal en point, elle. Hein. Elle est complètement cassée et tout. Je crois qu'elle est carrément en train de fondre. Ah oui, regardez-moi ses mains, ses jambes et tout. On dirait même pas qu'elle est congelée, on dirait que c'est ses squelettes. Oh là 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 là. En fait, c'est de pire en pire. Plus on avance, plus c'est pire. Mais Mommy Long Legs, mais reprends-toi. Je t'ai pas connu comme ça, moi. Moi, je t'aimais bien de base, moi. Ouais. Regardez, regardez, ça coupe et tout, là. Waouh. Wow. Ok, les amis, ça a clairement rien à voir avec la Mommy Long Legs. De base, on est d'accord. Let's go, on fait tourner la roue. Attention, sur quoi on va tomber? Ah bah tiens, on est tombé sur Poppy, let's go. J'espère déjà qu'elle fait moins flipper qu'avant. Oh, waouh. Elle est trop stylée. Ah, mais elle est trop stylée. Oula. Oh, mais c'est incroyable. Ah non, là, les amis, pour le coup, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Regardez comment elle brille. On dirait qu'elle est même pas glacée. J'ai l'impression que c'est Poppy, mais en robot. Beau métallisé et tout, regardez. En plus, elle chute. La lumière s'éteint et on voit ses yeux s'allument. Non, 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 non. Incroyable. Elle est trop stylée. Vraiment trop stylée. Surtout cette partie-là. Elle est trop stylée. Mon préféré en tant que glace pour l'instant, ça reste Poppy. Franchement, elle m'a choqué. J'espère que le prochain fera mieux. Je crois qu'il reste une seule personne sur la roue, c'est Kissimissi. On va voir notre bonne vieille Kissimissi. Ah, ah ouais. Elle nous fait de la danse. Elle nous fait de la danse en mode tranquille. Elle croit qu'elle est stylée. Oh, franchement. Elle est stylée, mais pas plus que Poppy. Je suis désolé. Mais pour sa prestation de danse, je mettrai un 8 sur 10 pour Kissimissi. Ah, la glace, c'était cool. Mais cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses. On va voir la famille de Poppy Playtime. Mais cette fois-ci, complètement transformée. Ambiance Halloween. Du coup, ils seront déguisés en personnages qui font peur. Déjà qu'ils font peur de base, donc bon. On tourne la roue, c'est parti. Attention. Et c'est... Ok, on commence par Huggy Wuggy, le patron de la vidéo. C'est parti. Alors, Huggy Wuggy, comment il sera? Attention, on va voir. Wow. Ah, attendez, c'est Huggy Wuggy, ça? Ah, mais il est en épouvantail. Mais c'est quoi ce délire? Attendez, il essaie de faire quoi, là? Il essaie de faire quoi? Ok, il s'est échappé de son éventail. Mais il est trop bien fait. Il est trop bien fait. Regardez-moi ses yeux, ses dents qui ressortent. Waouh, et le fait qu'il s'envole à la fin. Il est quand même vraiment badass. Et j'avais même pas vu qu'il avait des corbeaux sur lui au début. Ok. La nuit, faut pas s'en approcher, ça c'est clair. De toute façon, les amis, Huggy Wuggy, il nous a jamais déçus. Mouah. La roue. Qu'est-ce qu'on aura? Attention, on passe à Poppy. Ok, on passe à Poppy. J'espère que Poppy va faire beaucoup mieux que la glace, parce qu'à la glace, elle avait tout cassé. Alors, la petite Poppy, qu'est-ce qu'elle a à nous réserver? Alors, attention. Oh, elle sort carrément d'un cercueil. On dirait carrément pas elle. Ah, c'est là, on dirait elle. C'est quoi? Oh oui, ok, d'accord. Elle est carrément en mode vampire de fou et tout. Regardez son regard. Comment elle nous regarde, ça fait peur pour le coup. Hein. Ça fait peur avec les chauves-souris qui sortent quand elle lève sa cape. Waouh. Ah ouais, elle est vraiment stylée. Hein. C'est pas pour vous, mais pour moi, le préféré pour l'instant, c'est Poppy. Je vais rien savoir, c'est Poppy. C'est parti, alors attention, on va voir. J'espère que ça va tomber sur Mommy Long Legs, mon personnage préféré. Et non, oh non, c'est tombé sur Kissimissi. Bon, c'est pas plus mal en tout cas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, la copine de Huggy Wuggy, c'est Kissimissi ou bien Mommy Long Legs? Moi, j'en ai aucune idée. Ok, Kissimissi. Alors, qu'est-ce que t'as? Oh, elle est carrément en mode sorcière. Du coup, on avait un vampire, un épouvantail, et là, c'est sorcière. Ah oui, ok. Ah oui, ok, d'accord. Elle, niveau Halloween, elle doit faire flipper. En fait, elle a des pouvoirs parce que regardez, elle arrive à faire voler son balai rien qu'avec ses mains. Elle a des pouvoirs en mode Harry Potter. Elle s'assoit sur son balai comme si c'était un canapé et elle s'envole. Stylé. Et on finit avec Mommy Long Legs dans l'onglet Halloween. Attention. What? Quoi? C'est... Oh, c'est Mommy Long Legs, ça? C'est quoi cette transformation de fou? Oh, incroyable. Trop stylé. Donc, si je comprends bien, la Mommy Long Legs, elle est totalement en mode citrouille. Ah oui, ok. Oh, c'est pas mal ça. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Ah, franchement, les amis, Mommy Long Legs, je l'aime trop. Elle est trop stylée. Notez sur 10 chaque transformation que vous voyez. Je veux une note sur 10 pour tous les personnages. Et comme d'habitude, je lis tous les commentaires et je me ferai un avis par rapport à vos notes. C'est parti pour passer à la dernière transformation de la vidéo. Non, pas déjà. Non.
Ça va, pleurez pas les amis. Si vous voulez un autre épisode, faut mettre des likes. Et faut s'abonner, c'est le plus important. Là, ça va être Poppy Playtime dans les ténèbres. Ça risque d'être chaud, on fait tourner la roue. Et là, c'est le retour du lapin. Attention, let's go, on va voir ça. Et c'est... Kissimissi. Ok, on commence par Kissimissi. En plus, je pense que depuis le début, on n'avait pas trop commencé par elle. Du coup, voilà, ça fait un peu de changement, quoi. Ok, on va voir Kissimissi dans les ténèbres. Ça donne quoi? Oula, ok, là, c'est Black Kissimissi. Là, c'est la Kissimissi des ténèbres qu'il ne faut pas rigoler avec. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est le Kissimissi qui apparaît dans les cauchemars et qui fait en sorte de faire peur à tous les enfants du monde. Regardez là. Waouh, ça fait peur. Ok, on passe au personnage suivant. C'est parti, attention. Et on tombe sur Bunny. Oh, c'est le retour du lapin. Ben the Bunny, let's go. Oh, mon ami, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh, j'aime pas trop les bruits que tu fais là. Oula. Mais les amis, j'ai une question. Ben the Bunny, à part faire ça avec... ses mains, il sait faire quoi d'autre? Comprends pas. Ben the Bunny, je te mens pas que tu m'as un petit peu déçu pour ce coup-là. J'espère que le prochain va nous régaler. Attention. Et c'est... Mommy Long Legs. Ok, on enchaîne avec Mommy Long Legs. Mommy Long Legs. Qu'est-ce que t'as à nous proposer, toi? Oh, elle est charismatique. Elle a grave du charisme. Waouh. Oh, elle a éteint les lumières. Je sais pas pour vous, mais là, pour le coup, la Mommy Long Legs, elle me fait un petit peu penser à Cartoon Cat. Je sais pas, c'est pas pour vous. Et le meilleur pour la fin. Huggy Huggy, attention, genre Huggy Huggy, il y a un livre. Oula, on l'a un peu énervé, je crois. On l'a un peu énervé, tranquille Huggy. Mais, ah oui, ok, on devait carrément pas venir. Billy, il lisait son livre tranquillement, il nous a vu, il a commencé à s'énerver, il a dévoré son livre. Ah oui, ok, waouh. Ok, les amis, franchement, les transformations, elles étaient cool, elles étaient vraiment cool. On a vu à peu près toutes les transformations possibles de la famille de Poppy Playtime. Si vous voulez un épisode 2 avec d'autres transformations ou bien même d'autres personnages, pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires et mettez un gros like sous la vidéo. Je vous rappelle qu'à 15 000 likes, je me transformerai moi aussi. Et au passage, tu peux aussi partager la vidéo à tous tes amis. Bah oui, c'est gratuit. Et en plus de ça, ça sert à me soutenir. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka. Ciao les potes.